Bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, pas besoin de doublage parce que le jeu est en français. On va jouer à Dragon Age Origins, jeu développé par BioWare, édité par Electronic Arts. Ça date d'il y a quelques années déjà. J'ai plus l'année précise en tête, 2011, je dirais. C'était sorti sur PlayStation 3 aussi, en plus du PC. C'était la première fois que BioWare faisait un portage, enfin faisait un jeu dédié à la PS3. Dédié pas uniquement, puisque c'est sorti aussi sur PC. Et on va profiter du système de jeu. Donc j'ai vérifié quand même que la qualité d'image était pas mal. Donc normalement, on devrait être plutôt bien. Alors, Dragon Age Origins pour le jeu de base et Dragon Age Awakening pour son extension. On joue sur la version Ultimate Total Turbo X3 Plus disponible sur GOG. Je pense que ça doit être une vingtaine d'euros, peut-être un peu moins. Il y a régulièrement des promotions, donc c'est pas. Vous pouvez le trouver à moins cher que ça. Il y a des cendres. La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engeances. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engeances. J'ai l'impression que c'est la chaussette de Noël qui raconte l'histoire. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds. Les engeances noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Acculer. Avec un A. On sait jamais. We have a cave troll. Les gardes des ombres, hommes et femmes de toutes races, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Il y a des nains avec des haches, il y a des elfes qui font piou 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 à l'arc. Jusque là, on est sur du classique, il y a des gens qui seront tués en se faisant prendre des coups d'épée dans le dos. Ah, il y a des nains avec des marteaux aussi. Avec des maules. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient au nu ont oublié. Nos rangs sont clairsemés, et nos mises en garde trop souvent ignorées. Hop, attention, il y a une marche. Déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Bon, et ben ça c'était l'intro. Alors, création de personnage. Bon, évidemment, on peut choisir un homme ou une femme. On a trois races à notre disposition, les humains. Paradoxe des humains qui est à la fois la race la plus nombreuse et la plus individualiste. À quatre reprises seulement, les humains se sont unis pour cause commune.
La dernière fois remonte à plusieurs siècles. La religion et la chanterie jouent un rôle important dans la société humaine. Ce sont l'une et l'autre, avant tout, qui les séparent culturellement des elfes et des nains. Les humains peuvent devenir guerriers, voleurs ou mages. Avantage ratio, force, dex, magie, ruse, ils ont plus 1 dans quasiment toutes les caractéristiques. Les elfes, jadis réduits en esclavage par les humains, les elfes ont pour la plupart quasiment disparu, quasiment perdu leurs racines et se cramponnent à une vie miséreuse dans les quartiers pauvres des villes humaines. Seules les tribus nomades des Dalatiens persistent à maintenir leur tradition. Ils vivent de leur art qui vénère des dieux d'antan tout en parcourant les anciennes forêts qui seules les accueillent. Les elfes peuvent être guerriers, voleurs ou mages. Et ce jeu est raciste envers les nains qui ne peuvent pas être mages. Engoncés dans leur caste et leur tradition, les nains affrontent les engeances depuis des siècles pour protéger le dernier bastion de ce qui fut jadis un vaste empire souterrain. Jour après jour, leurs espoirs s'amenuisent. Les nains sont très robustes et très résistants à toute forme de magie, ce qui les empêche de devenir mages. Très bien. Une résistance de 10% à la magie. On va faire un humain. On va me faire une humaine, tiens. On avait fait tout le Let's Play Baldur's Gate avec un mage demi-elfe. On avait fait un homme, donc là on va faire une femme pour jouer un petit peu. Puis on va faire mage parce que c'est complètement craqué et que globalement dans les RPG j'aime bien jouer mage. On a trois classes à disposition, donc guerrier, mage et roublard voleur qui va aussi servir de barde, etc. Le mage peut servir de soigneur et de d'AOE et le guerrier peut servir de tank, enfin voilà, les classes sont assez versatiles. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on va choisir une classe, on va pouvoir choisir aussi une origine qui va être déterminée par notre race, et les origines vont avoir un petit peu d'impact sur le jeu. Mais on verra que ça n'en a pas tant que ça. Du coup... Salutations. Oui, salutations à toi aussi. On peut présélectionner une tronche et un personnage. Oui, why not. Comme ça c'est bien le teint légèrement basané mais plutôt occidental. Couleur de lèvres, intensité de lèvres, on s'en fout. Tatouage, on peut faire des trucs très discrets. Hein. Voilà, c'est... Maman, j'ai décidé de me faire un tatouage pour mes 18 ans. D'accord, mais un truc discret. Les cheveux... Quelque choix, on peut être chauve, on peut avoir les cheveux très courts. Puis après on est sur du classique à peu près. J'aime bien le Princess Leia style. Celui-là j'aime bien. On va se faire les cheveux noirs. Est-ce qu'on a des sourcils ou pas du tout? Tel Whoopi Goldberg. Maintenant que vous savez que Whoopi Goldberg n'a pas de sourcils, vous ne pourrez plus ne plus le voir. Des gros sourcils broussailleux, des petits sourcils fins et épilés, parce que bon, on peut être mage dans un univers médiéval fantastique, mais avoir des petits sourcils. Pas beaucoup d'autres choix. Plutôt... bon, allez, hop. Les yeux... Pour moi, ils sont bien. Peut-être un poil plus grand. Des grands yeux. Le nez, ouais, ça va. Faudra pas passer 3 heures sur la création de perso. Hein. C'est relativement générique et elle est pas non plus folle au niveau des possibilités. Puis globalement, la tronche par défaut me convient pas mal. On va juste agrandir un petit peu le bas de son visage, puisque j'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de... Faut manger un peu, madame, quoi. Hein. Oui, le hamster. Brute, comme ça... Largeur du menton. Largeur de la mâchoire. Voilà. On dirait qu'elle est un petit peu plus. Un petit peu mieux nourrie. Au niveau des oreilles. Hop. Un petit peu plus grande parce que pourquoi pas. Et au niveau du cou, ça a l'air de pouvoir globalement soutenir la tête. C'est pas mal.
Le portrait, bon, on va choisir la gueule qu'on a pendant notre notre let's play. On va pas regarder trop haut, comme ça on aura un petit peu plus sa tronche. Hop, hop. Distance caméra, on peut l'éloigner ou on peut la rapprocher. Attention. Je suis caché. Là c'est bon. On va peut-être me déplacer un petit peu plus vers le bas. Biographie, attention, traduction de l'enfer. Biographie, ça change juste le fond. On va prendre un truc qui permet d'avoir ses cheveux qui ressortent un peu quand même. On va dire que ça c'est bien. Et expression. Le gris. Le petit sourire narquois, je l'aime bien. Au niveau de la voix. Non. Ma magie s'est dissipée. Mon arme n'a aucun effet. Un petit peu bitchy, j'aime bien. Excusez-moi. Salutations. Eh bien, ça n'a rien donné. C'est très étrange. Mon arme ne lui fait rien. Salut à vous. J'ai perdu ma concentration. Rien ne l'affecte. Enchanté. Ça n'a pas marché. Quel ennui. Il me faut une autre arme. Bonjour. Ah, oh, mon sort. C'est inutile. Il faut tenter autre chose. Ôtez-vous du passage. Oh, c'est violent, ça. À plus tard. C'est quoi ce rire? Salutations. Mon sort a fait long. Cette méthode ne donne rien. Faites place, je vous prie. À une prochaine rencontre. Bon, le rire me fait peur, on va dire que c'est bien. On va l'appeler Aran. Hein. Par contre, on peut pas choisir de nom de famille. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. On s'appelle Aran Amel. Alors, les caractéristiques, il y en a 6, la force pour la force physique, la dextérité pour l'agilité, la volonté qui va faire notre pool de magie et d'endurance, notre magie qui va être plutôt utile pour un mage, je pense, notre ruse pour savoir si nous sommes un petit fripon, la constite pour les points de vie, donc on va déjà blinder la magie et on va mettre un petit point de volonté pour le pool de mana. Et ensuite, donc on a des compétences qui correspondent plus ou moins à des dons de Donjons Dragon. Donc 4 niveaux de compétences. Chacun va débloquer des avantages. Nous, on va plutôt s'orienter d'abord sur la rhétorique pour pouvoir bluffer durant les dialogues. Et après, on va pouvoir éventuellement faire herboristerie pour faire des potions et ce genre de choses. Des baumes, des poisons et de la formation au combat. Il y a des postes de piège, il y a plein de choses. On va prendre des rhétoriques. Et nous avons des sorts en tant que mage. On va... Donc il y a pas mal de sorts. On les trouve pas et on les apprend pas dans les bouquins. On les apprend grâce à cet arbre de... C'est même pas vraiment un arbre. Hein. C'est grâce à cette plantation de compétences. Plusieurs branches. Instinct, création, esprit, entropie. Et on va pouvoir en avoir une supplémentaire si on débloque une spécialité. Une classe avancée en gros. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va se prendre Glyph Paralysant parce que c'est complètement craqué. Et on va se prendre Cône de Feu parce que boule de feu plus loin. Je pense qu'on est bon et on est tipard. On va se mettre en niveau normal parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Pour les joueurs Kotomi des jeux de rôle, ce niveau consiste à un bon équilibre entre difficulté et convivialité. Ça va être convivial. Une utilisation modérée de la pose tactique pour préparer les actions au combat. Les membres du groupe peuvent se blesser les uns les autres s'ils utilisent certaines compétences imprudemment. Mais les dégâts ainsi occasionnés ne sont que la moitié de la même attaque sur un ennemi. En gros, ils retiennent leur coup quand ils vont latter un camarade. Et allez, c'est parti. Sur une falaise surplombant les eaux sombres du lac Kalenhad, se dresse la tour forteresse du Cercle des Mages. Cette tour est le seul lieu de Ferelden où les mages peuvent s'adonner à leur art parmi leurs semblables. Derrière ces hauts murs de pierre, le cercle pratique la magie et forme les apprentis au bon usage de leur pouvoir. Mais la tour du cercle
est autant une prison qu'un refuge. Les inflexibles templiers de la chanterie surveillent les mages à l'affût du moindre signe de corruption. Cette cage dorée est tout ce que vous connaissez du vaste monde. Décelée dès votre jeune âge, vos dispositions pour la magie ont fait de vous une apprentie du cercle. C'est ce qu'on appelle un infodump. Aujourd'hui, votre formation touche à son terme. Reste à affronter l'ultime épreuve, la confrontation. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Ainsi parlait la prophétesse Andraste, en jetant à bas l'Empire Tevinted, gouverné par des mages qui avaient conduit le monde à sa perte. La magie. T'as l'air rancunier comme mec. Autant qu'une malédiction. Les démons de l'immatériel sont attirés par votre magie et se serviront de vous pour s'insinuer dans notre monde. C'est pourquoi la confrontation existe. Ce rituel propulse le sujet dans l'immatériel, où il devra terrasser un démon. Et donc, nos options en choix en bas, notre petit texte, j'ai mis les sous-titres en haut pour que vous puissiez suivre, même en coupant le son éventuellement. Je pense qu'on va augmenter un petit peu les voix après, les bruitages, on va laisser la musique plutôt baisser. Même si la musique est assez bien. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Tu deviendras une abomination. Et mes sujets seront contraints. Une abomination. Ceci est du lyrium, l'essence de toute magie. Et ta porte d'entrée dans l'immatériel. La confrontation est tenue secrète par nécessité. Chaque mage doit triompher de cette épreuve. Tu réussiras comme nous tous avant toi. Souviens-toi que l'immatériel est sous l'empire des rêves. Les esprits règnent, certes, mais ta volonté, elle, est bien réelle. Les apprentis doivent affronter cette épreuve seuls, première. Oui, José, je suis pas encore rentré dans l'immatériel, voilà, calme-toi. Prête. Et voilà, c'est ce qui se passe quand on touche un miroir, quand on vient de prendre la pilule rouge. Nous avons une nouvelle quête, le col de Sulcher, qui dépend du fait que nous sommes dans la version Ultimate Donc on peut se déplacer, ZQSD, etc. C'est bien pratique, on a une barre d'accès rapide d'en bas à gauche. On a notre portrait avec notre sourire BA. Il y a une statue troublante. Et on gagne 50 XP à aller la voir. Les archives, nos sorts. Alors, dans notre inventaire, évidemment, comme c'est une version Ultimate, il y a plein de bordel qui a été rajouté par les DLC. On a des objets divers et variés. Donc, bon, autant en profiter. Hein. Constitution plus 3, résistance au feu. Régénération de santé en combat, effet curatif reçu. Une ceinture. Défense plus 6, résistance au sort, charme de loup. Régénération de santé en exploration, armure, résistance naturelle. Plus de tribus plus 1, bah oui, vas-y. Hein. On a un anneau mémoriel, je sais pas à quoi il sert, on va le mettre dans le loot. On n'a pas d'armes, très bien. You can have your bit and your couteau. La patte du lion, c'est une armure légère de grade 3 qui donne une meilleure armure. Voilà. Le casque de la discrétion. Je suis un mage, je dois un gros casque. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, la ceinture du maître de guilde qui donne plus de thunes. Donc on va la prendre. Et après, il y a des ouvrages qui vont donner du bordel en plus. Ce serait bête de s'en priver. Du coup, on a des points d'attribut en plus. Le rabbin de la magie. On a une compétence en plus, on va se prendre rhétorique. Pour bluffer. Voilà.
J'ai activé la pause automatique en cas de combat. On peut voir qu'on est minimum à droite. On a un ennemi qui était repéré. Du coup, on va lui lancer une... un carreau mystique. J'avais dit que je vous montrerais le son. Et... les effets sonores. Et les dialogues. Je pense que la musique, ça doit aller... C'était un combat glorieux. Nous avons triomphé glorieusement de l'ennemi. Avec tabulation, on peut voir les objets à proximité. Il y a un vase de guérison si jamais on est blessé. Ah non, clic droit but, hein, donc on va pouvoir prendre des potions, je pense. Orbe de lumière scintillant. Restaure instantanément une fraction de la santé. Bah oui, hein. On va pas dire non. Et donc les sorts marchent avec des cooldowns, on a notre barre de vie en haut à gauche, notre barre de mana. Un mec qui nous balance un éclair à peine on arrive. Bon, on a quand même mis pas mal de points en magie, donc on est un petit peu... on est assez tranquille pour le tuto, je pense. Je vais vérifier les touches de sauvegarde rapide quand même. Parce qu'elles nous serviront bien. Raccourci, blop. Sauvegarde rapide F5, c'est bien. Voilà. Alors, Dragon Age. Jeté en pâture au loup. Tendre et sans expérience comme les autres. Ce n'est pas juste. Les Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça. C'est trop injuste. Ni à vous, ni à moi, ni à personne. Mais c'est donc ça, l'immatériel. C'est toujours la même chose. Enfin, vous n'y êtes pour rien. Nous sommes tous dans la même galère. Pas vrai? Bienvenue dans l'immatériel. Vous pouvez m'appeler... eh bien... Souris. Non, t'étais un rat, quand même. T'es pas très... je comprends que t'aies raté l'examen. C'est pas votre vrai nom, j'imagine. Je ne me souviens de rien. Si la confrontation dure trop longtemps, les Templiers vous tuent. Ils préfèrent ne prendre aucun risque. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus de corps vers lequel retourner. Et vous serez bientôt dans le même cas, vous aussi. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Les apprentis qui arrivent ici doivent affronter un démon ou une créature et lui résister, s'ils en ont la force. Bah, très bien, faisons comme ça. C'est le seul moyen de sortir. Pour vous ou pour votre adversaire, si les Templiers ne vous tuent pas. Une épreuve pour vous? Une tentation pour les créatures de l'immatériel? Pourquoi me faire affronter une telle créature? Oh, c'est une question pour les mages de la tour. Si vous avez de la chance, vous pourrez la leur poser. Et qui sait, peut-être en aurai-je un jour l'occasion aussi. D'autres esprits sont emprisonnés ici. Ils vous aideront peut-être, mais ne croyez pas tous... Je me réconcilie avec le jeu, non, je viens à peine de commencer. C'est plus tard que le bas blesse. Si vous le permettez, j'ai laissé passer ma chance il y a bien longtemps, mais vous, je peux encore vous aider. Le début est pas mal, hein. C'est juste l'accumulation de plein de petits défauts, je trouve, qui font que le jeu, au bout d'un certain temps, est un petit peu... Se trouve à proximité. N'approchez pas si vous n'êtes pas prête au combat. C'est un petit peu relou. C'est là que l'épreuve aura lieu. La créature peut se trouver n'importe où, mais c'est là-bas... Au niveau du son, c'est bon. Je pense que... j'ai pas trop... ça c'est fait. Je pense qu'au niveau du son... niveau création, j'ai fait une mage, parce qu'on avait fait un mage pour Baldur. Et donc du coup, j'avais envie de faire une mage. Puis comme les mages sont complètement craqués dans le jeu, c'est toujours marrant. Et dans les RPG, j'aime bien faire des mages, donc... Il y a un autre esprit par là. Il ne fait pas vraiment esprit de valeur. Nom, si vous voulez mon avis. Oui, toi tu t'appelles Souris, et en fait t'es un rat, donc tu veux pas non plus honneur à ton nom. Encore une mortelle, jetée dans les flammes, je vois. Bon, le doublage par contre, il est bon, hein. Il y a des voix... les voix sont très bonnes. Avait conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au poing pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans arme à un démon.
Bah, sinon Chrome se rit de toi. L'arme au poing, on n'est pas des guerriers. On exige que vous triomphiez d'un démon. Que vous luttiez par la magie ou par le fer, vous n'en restez pas moins des combattants. Vous êtes toujours là? Vous n'avez donc pas encore vaincu votre némésis? Que le combat à venir soit glorieux. Oui. C'est toi qui as créé toutes ces armes? Elles sont l'incarnation de ma volonté. Je crois savoir que dans votre monde, seuls les mages sont versés dans cet art. Les mortels qui en sont incapables doivent mener une existence bien vide. Les losers. L'une de ces armes peut-elle se révéler efficace contre un démon? Vas-y, genre donne une épée à deux mains. Sans aucun doute. Dans ce monde, rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces lames sont faites d'acier et ces bâtons de bois? Pensez-vous que ces armes répandent le sang? Tu penses que c'est de l'air que tu respires? J'ai besoin d'un combat et c'est ma seule volonté qui mue ce besoin en réalité. La cuillère n'existe pas, les enfants. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes? Je vous en donnerai une. Mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. Donc soit on peut accepter le duel, on peut dire ni tu es pas une guerrière, on peut demander les règles, ou sinon on peut utiliser notre volonté pour dire « T'essaierais pas juste un petit peu de me tuer, saloperie ?» On va utiliser notre volonté. Comment osez-vous? Je ne suis pas un démon. Il y a quand même un peu d'écriture de texte. Oui, hein, c'est pas le problème. Le problème que j'ai, c'est plutôt avec l'univers en général, que je trouve extrêmement générique. Et avec le système de jeu, mais on s'en verra plutôt vers la fin de la partie, je pense. Ainsi, vous défiez des mortels sans défense en duel. Genre, le mec est une incarnation de l'honneur, de la valeur, mais tu n'as pas d'arme, je vais te latter la gueule. Oh, quelle insolence. Cela dit, votre volonté est indéniable. Vous avez réussi, j'ai de volonté. Vous m'avez donné la preuve que vous aviez la force requise pour résister aux démons. Le bâton vous revient. Allez, prouvez votre valeur. J'ai confiance en votre succès. Je vous ai mis un pouce vers le haut. Nous avons reçu des objets. Nous allons prendre notre bâton de valeur en fer, qui fait 4 de dégâts, 22 pénétrations d'armure, qui a une portée de 50 et une puissance magique de 1. Donc la défense, ça permet d'éviter ou de parer les attaques. L'armure, ça réduit les dégâts d'un personnage subi lors d'une attaque physique. Ok, puissance magique, augmente l'efficacité, la durée et les dégâts des sorts, ainsi que les dégâts au bâton. Et dégâts main directrice, on s'en fout, parce qu'on est un mage. Fatigue, les coups de les augmentations, on s'en fout. On a 155 de mana, on a 95 de vie. Je retrouvais plus les touches de mon clavier. Donc ouais, il y a quand même y a des trucs bien, hein, c'est... Niveau pseudo, toujours une grosse aspiration sur les noms. Bah oui. On change pas une équipe qui gagne, hein. Aran, Fade, Fade Aran. On va utiliser notre glyphe paralysant, voilà, ça c'est fait. On va cramer le loulou à sa maman. Ouais, pardon. Voilà. Ça c'est fait. On va attendre la... mise à jour de nos cooldowns, et on va attendre que notre barre de mana remonte. Parce que ça se régène avec le temps quand on est hors combat. 53. On a récupéré quasiment nos sorts. Prenez garde, un autre esprit est tout proche. Passe, mais... démon de la paresse. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres trucs autour. C'est donc vous la mortelle qu'on pourchasse? Cette frêle créature, est-ce une friandise pour moi? Il a une voix étrangement sexy, non, le demande la paresse. Je ne suis pas à manger. Qu'importe, le démon finira bien par vous débusquer.
Peut-être me un loup avec des piques. Un ours avec des piques. Que savez-vous à propos de ce démon? Vous échouerez, il se repétera de vous. Ce que je sais vous satisfait-il? La voix. Partez. Quelle voix sensuelle! Vous avez sûrement mieux à faire que d'importuner le démon de la paresse mortelle. Vous m'épuisez. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi vous appelez le démon de la paresse? Je pense que c'est un peu grillé. J'ai besoin d'aide pour vaincre le démon. Vous avez votre joli bâton. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Allez donc utiliser l'arme que vous avez gagnée. Faites. Je préférerais faire preuve de paresse. Je peux le vaincre en combat de pouce. Il a l'air puissant. Il pourrait vous apprendre à être comme lui. Comme moi? Pourquoi faudrait-il que je l'instruise? La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet art. Oui, bon... Vous savez... Vous, en revanche, petit être, feriez un meilleur élève. Combat de sieste. Celui qui dort le plus longtemps a gagné. Déjà. Mais il paraît que c'est un ado qui a la victoire. Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. Se cacher ne résout rien. Il faut affronter ta peur. Combat pour tes rêves. Vous avez raison. En fait, moi, je veux juste que tu mettes dans mon combat après que tu meurs. C'est pas grave. Encore. Et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Me cacher ne fait que... Laisse-moi t'apprendre la technique du polochon. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Mais il est épuisant d'enseigner. Partez, vous me fatiguez. Mais vous avez dit... Oui, bah c'est bon. Mais souris veut apprendre, enseignez-lui, puis il dit, mais pas encore que c'est un rat. Je vais tirer ma forme, petit être. Dans ce cas, je propose oh à oui, des énigmes de votre ami. Qu'elle réponde à trois les énigmes dans le noir. Et je vous instruirai. Échouez et je vous dévore tous les deux. La décision vous appartient. Oh oui, des énigmes, mon précieux. Je relève ton défi. Vraiment? Voilà qui devient très excitant. Où je suis très excité. Voici la première énigme. Oui, bah celle-là elle est connue. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Ouais, faut encore mobiliser les neurones, ça m'énerve. J'aurais dû faire un barbare. Des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants et des montagnes sans terre. Je suis top. Un indice chez vous. Allez, non, je suis une carte. Exact. Poursuivons. Deuxième énigme. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Que suis-je? Une poignée, je pense que ça n'a rien à voir. La langue. On se touche la langue avec parcimonie, c'est un peu bizarre. Mais... On peut se tenir la langue. Ah. Eh non, aventurier, tu t'égares. Mon premier est un féculent. Ah, une clé à la mer. On obtient souvent quiconque a l'esprit, m'utilise à bon escient. Je vis dire que c'est une langue. Exact, petite langue bien pendue. Bon. Nous continuons. Troisième indice. Je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais au soir, mais hélas, dès l'aube. Vous m'aurez oublié. Oh, un rêve. Qui suis-je? Un poseur d'énigmes pénibles, un casse-couille. Oh, un rêve. Encore exact. Une énigme ô combien opportune. Mais ça, c'est Indiana Jones. Hein. Ça, c'est voilà, avoir résolu des énigmes à Indiana Jones, ça fait de moi une espèce de puissance, de machine intellectuelle pour les défis. Je vous instruirai donc, comme convenu. Écoutez attentivement. Oh,
quelle curieuse sensation. Je veux devoir désactiver les notifications WhatsApp. C'est plutôt agréable. Pardon, phrasing. That's what she said. Partez à présent et faites ce que vous avez à faire. Terrassez votre démon, ou qu'importe. Vos gesticulations macabres. Vos gesticulations macabres, alors que vous êtes là à me regarder fixement. Et on est bientôt à notre niveau. Il y a un Friendly Fire, hein, comme on avait vu. L'anecdote du mouchoir sale, bien sûr. Laissez-moi vous raconter comment j'ai ramassé un bout de charbon et un mouchoir sale. Un instant, désolé pour ça. On va faire ça, ça. Où est-ce qu'on désactive les notifications de ce truc de merde? Prout, paramètres, notification, pas de son, voilà. Parce qu'après les gens me parlent parce que je suis une créature sociale, hein, n'est-ce pas? Et du coup ça fait un bruit de merde. Écoutez, j'essaye de... Est-ce que vous connaissez le nom de... du dernier dialogue de Platon? Odez-le. Prout. Bon, bah notre copain il aura fait le ménage. Voilà. Putain, on n'est pas encore à notre niveau, il manque combien? 1885 sur 2000. Fichtre. On va attendre que notre pâtisse soit régénérée, puis on va aller botter le lionf du démon. Vous avez des bâtons de valeur, je peux rien faire de plus pour vous. Oui, je ne peux rien faire de plus pour vous. Je vais maintenant vous répéter cette même phrase plusieurs fois. Tiens. Bon, graphiquement, c'est assez joli. Ça tient encore la route. Hein. Après, là, évidemment, toutes les options sont au max. Parce que le jeu a quand même déjà quelques années. L'esprit du seum. Ainsi donc, te voilà enfin. L'esprit de la SMR. Bientôt, je verrai le monde des vivants par tes yeux, créature. Ton corps et ton âme m'appartiendront. Et je l'utiliserai. Faire des petits bruits contre un micro pour que les gens qui écoutent soient un petit peu mal à l'aise et un petit peu excités aussi. On est deux contre un. Tu veux vraiment nous affronter? Amusant. Je vois que tu ne veux pas parler de notre petit arrangement. Souris. Non, c'en est fini de notre arrangement. Fini. Terminé. Okay. Un problème de micro pour les enregistrements. Oui. En fait, j'ai enregistré mes textes à plus de 20 mètres de distance. Je suis une souris, et bientôt je n'aurai plus besoin de me cacher ni de marchander avec vous. Nous verrons bien. Ah, il va mieux. Pardon, j'ai retrouvé le bouton on du micro. Bon, Liban, c'est un gif paralysant. Voilà. Petit cône de feu. Nos petits carreaux mystiques. On a défoncé Axe. Vous avez réussi. Je n'arrive pas à le croire. Non, oui, incroyable. En voyant la première fois, j'ai pensé que vous pourriez peut-être. Mais je n'ai jamais vraiment cru que vous en étiez. Je pensais que vous étiez un loser. Comment s'appelait ceux que t'avais trahi avant moi, sac à merde? Qui est maintenant ton vrai nom? Je suis aussi prometteur que vous. Oh, tout cela s'est passé il y a fort longtemps. J'ai oublié leur nom. Oh, on s'en fout. Ils sont morts, je les ai trahis, on s'en prend. Mon propre nom. C'est l'immatériel qui en est la cause. L'immatériel et les Templiers. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement? Terminé. Avec le temps, vous deviendrez une puissante enchanteresse. Oui. Tu as raté le début de ta ligne de dialogue, mec. Et peut-être y a-t-il un peu d'espoir pour un être aussi chétif et oublié que moi, si vous acceptez de m'aider, bien sûr. Il existe peut-être un moyen pour moi de quitter cet endroit, de regagner le monde réel.
mais pour y entrer, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que tu sais pas... Est-ce que ça sent un peu l'arnaque? Je commence à me demander si c'est pas vous les véritables épreuves. Quoi? Que voulez-vous... Ah, mais bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait inquiéter une apprentie de votre calibre? Vous êtes maligne, vous. Combattre l'affaire d'un guerrier. Les véritables dangers de l'immatériel sont ailleurs. Les préjugés, la confiance mal placée, l'orgueil. Ce sont tous des ennemis. J'ai oublié mes pastilles pour la gorge. Oh, la belle prise. Gardez votre calme, mage. Les véritables épreuves ne se terminent jamais. Oh bah j'aurais bien aimé qu'on le voit, quand même. Je me souviens plus du tout de l'histoire, la fin, oui, mais le reste... je crois que je l'avais même pas fini, parce qu'il m'avait gavé. Mais j'étais arrivé tout près de la fin. Dis quelque chose, je t'en prie. Joanne. Content de te voir. Ils t'ont ramené ce matin. J'étais loin d'imaginer que ça durerait toute la nuit. J'ai entendu parler d'apprentis qui ne sont jamais revenus d'une confrontation. Ça voit me dit quelque chose. C'est dangereux que ça ? Comment ça se passe ? C'était... éprouvant. C'est pour ça qu'ils ne nous disent rien ? Tu es censé ne pas en parler, je sais. C'était trop mais mauvais. Nous sommes amis. Un seul indice et j'arrête de te harceler, c'est promis. Patience, tu y passeras un jour ou l'autre. Et maintenant, tu vas t'installer dans les quartiers des mages. Moi, je resterai à moisir ici. Tu le vois temps ce que je veux dire. Convoqué pour ma confrontation. Ton tour ne devrait plus tarder. Je suis ici depuis plus longtemps que toi. J'ai parfois l'impression qu'il me refuse la chance de faire mes preuves. Qu'est-ce que tu veux dire? Les apaisés n'ont pas à subir la confrontation. On a le choix entre la confrontation, le rite de l'apaisement ou la mort. C'est ainsi. Le rite de l'apaisement. Tu as déjà rencontré des apaisés dans le... Bah il est où le gros monstre? Il a disparu. Je suis deck, j'aurais bien voulu le voir. Il est si froid. Non, pire que cela. Il est... vide. Comme un mort qui marcherait encore. Sa voix, ses yeux sont sans vie. Il est sans vie. Il est pareil qu'il a voté modem aux dernières élections. Oh mon dieu, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ils en ont fait un apaisé. Je ne sais pas exactement en quoi le rite consiste, hormis qu'il s'agit de rompre tout lien à l'immatériel. Un apaisé est dépouillé de ses pouvoirs magiques, de ses rêves et de ses émotions. C'est un Jedi, quoi. Aucune émotion? Comment est-ce possible? L'immatériel est le monde des rêves. La rupture du lien à l'immatériel en est peut-être la cause. Plus de rêves, plus d'émotions. Parle-moi de tes rêves. Les apprentis peuvent se soumettre de leur plein gré au rite de l'apaisement s'ils redoutent la confrontation. Mais le cercle y oblige aussi les candidats qu'ils jugent les plus faibles. Et parfois, ils y condamnent ceux parmi les apprentis qu'ils jugent trop dangereux pour devenir mage. Mais je te fais perdre ton temps. Irvine a demandé à te voir. J'étais censé t'en informer dès ton réveil. Il est où? Il a dit qu'il se retirait dans son étude, à l'étage. Oh, je me casse. Ne pas le faire attendre, on se verra plus tard. Tu as entendu quelque chose? Elle va bien. On a monté de niveau. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes amis maintenant? Simple curiosité. Ouh. D'après ce templier, Kulen... Est-ce qu'il a vraiment la tête dans la... ...la plus propre et la plus rapide qu'il ait jamais vue. Il dit qu'elle est très douée et très courageuse. Excusez-moi, j'avais la tête dans le mur. Quand mon tour viendra, je serai terrifiée. Comme Wendell. Il a vomi pendant une semaine après le confrontation. Une semaine après la confrontation, rien qu'à y repenser. Remontons de niveau, remontons magie. On va se prendre un petit point de volonté, tiens. Ou est-ce qu'on va se prendre des points de ruse pour augmenter tranquillement le... notre bluff. Il boude, oui. On va prendre un point en arme enflammée, comme ça on va se rapprocher tranquillement de... Boule de feu. Il faut 27 en magie, donc la prochaine fois qu'on peut gagner un sort, on pourra prendre boule de feu. Comme ça, si jamais Capi passe, on va pouvoir faire des boules de feu à volonté. Je suis sûr que ça lui tient à cœur, donc... Poussière de l'Erium. Quelqu'un a stocké sa coque dans ce placard. Parlons à ces gens qui ne sont pas dignes d'avoir un nom. Toutes mes félicitations. Merci, MacGyver. Il avait bien la voix de MacGyver, on dirait.
Toutes mes félicitations. Ah non, il a la voix de... Johan se comporte étrangement depuis ce matin. Tu l'as vu ? Il a la voix du miroir magique de Shrek. Johan se comporte étrangement depuis ce matin. Tu l'as vu ? Catherinette numéro 1, Catherinette numéro 2 ou Catherinette numéro 3 ? Je peux lui demander s'il connaît Lord Farquaad personnellement. Entendu quoi ? Bâton magique ! Ah oui, parce qu'évidemment les bâtons qu'on avait dans l'immatériel, on les a pu dans le monde réel. Dans le vrai monde de la vraie vie véritable. La peine de m'en rassurer. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je me demande si mes problèmes de son sont pas liés à l'option... Forcer le son stéréo. Ouais, merci. Merci, jeu, t'es très sympa. Je pense juste que j'ai le son qui bug un petit peu, mais c'est pas grave. Ça ne vaudra pas le démon ASMR. Mais un bâton d'acolyte. Alors, est-ce qu'il vaut mieux ? Grostin Neverwinter Nights, oui. D'ailleurs, si je me souviens bien, le jeu est développé avec le moteur de Neverwinter Nights 2. Donc, il est basé sur le Aurora Engine 2. Qui est le moteur de Neverwinter. Et qui était accompagné d'un excellent... Et je pèse mes mots. Éditeur de... Éditeur de niveau et de map, qui fait que Neverwinter Nights est encore joué actuellement, même si ça remonte à quand même une paire d'années et que graphiquement il est dégueulasse. D'ailleurs, Neverwinter Nights 1 qu'on ne fera pas parce que le scénar a été écrit par un enfant de 8 ans, donc ça va pas être nécessaire. C'est par sa seule volonté que l'on contrôle le feu. Attention à cette flamme. Pas question qu'elle jaillisse en tous sens. Mmh. C'est ce qui provoque la plupart des accidents. Des accidents ? Mais... Tiens, apprenti, entraîne-toi à maîtriser le feu à côté de ce rayonnage plein de bouquins précieux et extrêmement vieux. Non, non. Je ne vois pas ce qui peut mal se passer. J'ai tenté de refaire Neverwinter 1, mais trop dur avec les graphismes, oui. Et puis le scénar est vraiment nul à chier. Un silex produit le même résultat. Être davantage dans tes cordes. La progression, surtout pas tant le scénar que la progression qui se divise toujours de la même façon, qui est va dans ces 4 lieux différents pour recueillir 4 trucs et puis ensuite ça débloquera une 5e zone qu'il te faut parcourir. Que la magie, c'est que pour les garçons. Ah, Brigitte Le Cordier. C'était Sangoku. Ça veut dire que la magie doit être utilisée pour aider les gens et qu'il ne faut pas s'en servir pour... Pour les obliger à nous obéir. C'est exact. Nous ne devons pas dévoyer un tel don du créateur. Parle-nous, Sangoku. Les filles, ça comprend rien à la magie. Bâton magique ! Oui, et un seul compagnon. Je me souviens de toi à cet âge. Adorable. Il y a un mec qui se la pète un peu, là. Un seul compagnon, très peu de dialogue, c'est du Diablo, mais Tommy la potence, oui. Mais les mages, quand même, qui se balancent des boules de feu au milieu de la bibliothèque, est-ce que c'est pas complètement con ? Je vous pose juste la question comme ça, c'est... Qu'on peut exploiter. Si jamais tu faiblis ainsi face à un démon, il te consume... Un démon ? Est-ce vraiment ce que tu souhaites ? Non. Non. Alors renforce ta volonté. Augmente ta vitesse. Magie est irrésistible. Recommence. Rayon magique. Putain, j'ai perturbé, on a discuté avec Son Goku quand même. Bon, donc bien sûr, consulter les livres, ça augmente plein de lore, etc. Qu'on va pas prendre trop le temps de lire parce que ce let's play va durer 40 ans sinon. Voilà. Poursuivons notre progression vers l'étage. Parlons à Owain, le... Bienvenue à la réserve d'objets magiques du cercle. Le tranquilliser. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes vraiment un mage apaisé. Je me suis porté volontaire pour le rite de l'apaisement. Je ne souhaitais pas être soumis à la confrontation. Je trouve cette condition agréable. Je suis un robot.
Quel effet ça fait de ne plus éprouver d'émotion ? Je perçois le monde plus clairement. Je me rappelle l'époque où mon esprit était encore encombré d'émotions désagréables et perturbantes. Maintenant, tout est simple. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a fait de toi un apaisé ? C'est un phénomène difficile à décrire. On pourrait le comparer à une brutale immersion dans un bain d'eau glacée. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant le rite de l'apaisement ? On m'a intimé de ne jamais en parler. Je ne puis aller contre la volonté du cercle. Et maintenant, tu n'es qu'un sale robot avec une voix monotone. Mon corps est semblable au vôtre. Il est pourvu du même nombre de membres, d'appendices et d'organes internes. Je remplis les mêmes fonctions physiques, et mon esprit est capable d'opérations mentales plus complexes. Doit-on me dénier ma nature d'individu pour la seule raison que je ne ressens pas les choses comme vous ? Oui, enfin, une personne ne se réduit pas à de simples composantes physiques, c'est 3PO. J'ai des pensées et des souvenirs. Je me rappelle mon passé, mon enfance dans la tour, mon apprentissage. Ces expériences ont défini ce que je suis. Mon absence d'émotion ne fait pas. Et donc, Zael, si, j'avais déjà fait Dragon Age et j'avais pas aimé. Donc du coup, je me suis dit que je vais le refaire, je vais lui redonner sa chance, et puis comme ça permettra de discuter de... Parce qu'en fait, il y a des points dans le jeu que je trouve qui sont pas bons, et qui sont pas... Mais les émotions sont essentielles. Que nous en restions à cette il pose problème en fait, et donc du coup, c'était l'occasion aussi d'en parler ne se mesure pas à la seule au fur et à mesure. Des émotions. Mais n'en parlons plus. Fort bien, au revoir. Fort bien, au revoir. Total jugement, mais complètement. C'est parce que tu vois, je suis un mec qui a des avis polémiques. Tu vois, je prends des risques. Je dénonce. Ouais, t'as vu. Non, j'avais pas aimé. Je l'ai trouvé très très générique. Et en termes d'univers, très très bateau. Bonjour. Oh, je ne crois pas t'avoir rencontré. Il est de quelle année? Je crois qu'il est de 2011. J'ai plus la date en tête. Je viens tout juste de subir ma confrontation, mais j'ai vécu ici toute ma vie, espèce de vieille amnésie. Pardonne-moi, je n'ai plus la mémoire des visages, loin s'en faut. Excuse-moi, j'étais en train de consulter un parchemin porno. Quelqu'un pourrait peut-être vous arranger ça. C'est très aimable, je suis un vieil homme. Rien au monde ne pourra jamais y remédier. Si seulement il y avait une espèce de moyen qui s'affranchissait des lois de la physique et qui pourrait guérir les gens. Je ne maîtrise pas de magie si puissante. Bref, que puis-je pour toi ? Un mot, je veux juste très parler. Très peu pour moi. À force, ça me donne mal à la tête. Oh, les sales jeunes ! Allez, donne le jour. Ils passent leur temps à faire du binge-watching. 2009. Bon, là, c'était pas très loin. On joue à un jeu d'un autre temps. Oui, mais par contre, pour un jeu de 2009, il est beau. Il n'y a pas de souci. Hein. En plus, comme maintenant, on a les PC qui permettent de le faire tourner à la blinde sans qu'il sourcille. Il est vraiment agréable à l'œil. Bon, le pathfinding a des petits problèmes. Ça arrive. Je m'en charge. Calme-toi. Objet scellé, vous venez de rencontrer un objet scellé. Blablabla. Ah bon. Parlons à Eadric. Tu as besoin de quelque chose ? Non ? Alors recule. Tu me caches la lumière. La lumière ? J'essaie d'étudier. Un peu de considération pour un confrère mage ne serait pas superflu. Ouais, t'es qu'un apprenti, calme ton cul. Je le serai bientôt. J'ai travaillé d'arrache-pied. Et je ne laisserai pas passer ma chance. C'est l'occasion pour moi de prouver que je suis aussi capable qu'un humain. Tu as crevé à la confrontation. Humain, les elfes sont tout juste bons à être domestiques. Oui, en même temps, la plupart des elfes que j'ai connus sont des domestiques. Enfin, ce n'est pas entièrement ta faute. Les elfes sont. Hashtag racisme gratuit. Les humains dans des bas cloîtres. Pour vous autres, il est difficile de savoir qui nous sommes. Le plus ironique, c'est que nous l'ignorons tout autant. Mais comment cela? Tu n'es qu'un PNJ. Écoute, j'ai vu ton nom flotter au-dessus de ta tête. Que des pans entiers de notre culture ont disparu. En tant que mage, j'ai l'occasion de faire mes preuves. Noble ambition. Merci. Cela dit,
Il faut que je retourne à mon étude. Merci pour les conversations. Tu penseras à nettoyer mes bottes ? Putain, je lui ai parlé comme une personne civilisée. Ça m'a dégoûté. Vraiment ? Bartod, merci. Jusque-là, j'ai ouï dire que les égalitaires avaient commencé à... Mage Thorin, je crois qu'il y a ici quelqu'un qui désire vous parler. Thorin et Kulchen ! Bonjour. Mes félicitations pour ta confrontation d'hier soir. Beau travail. De quoi vous parliez ? Des fraternités d'enchanteurs. Tu n'en as probablement jamais entendu parler. La politique sévit en tout lieu et le cercle n'échappe pas à la règle. Hélas. Hélas. Parle-moi des fraternités. Ils s'en trouvent dans tous les cercles de Tedas. Il s'agit de confréries d'enchanteurs partageant les mêmes vues qui se regroupent pour faire entendre leur voix. La fraternité la plus importante est celle des équitables. Des modérés qui défendent un code de conduite auquel tout mage se devrait d'adhérer. La Camarilla. Aussi les apôtres de la chanterie, les loyalistes. Ils suivent les prescriptions de la chanterie à la lettre. Les Cubénis. Les Crosiens, eux, ne s'attachent qu'au profit. Et les isolationnistes voudraient que nous vivions tous en ermite. La Moulagatim et les ermites. Et enfin, les libertaires. Ceux-là réclament davantage de pouvoir et d'autonomie pour le cercle. Les Freebolds. À quelle fraternité appartiens-tu ? S'il fallait choisir, je serais égalitaire. Mais je me tiens sagement à l'écart de la mêlée. La plupart des enchanteurs de rang sont des égalitaires. Irvine, Wynne, Sweeney. Uldred, quant à lui, est un libertaire. Et l'un des plus ailés de surcroît. Les mages comptent bien assez d'ennemis à l'extérieur, sans qu'il soit besoin de nous déchirer en querelles intestines. Mais que peut-on y faire ? Renoncer ne rend service à personne. Oh, je vois. Une idéaliste. Si tu aspires à changer le monde, tu devrais t'y mettre. Écoutez, j'ai une idée pour faire aider à accepter les mages dans notre monde. Je propose qu'on fasse un libdub dans un TGV. Et on serait tous comme ça, puis on chanterait à ceux qui veulent changer le monde. Bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, profitez. Ça date de quelques années maintenant, ce magnifique libdub de l'URPR. Besoin de quelque chose ? De l'UMP, peut-être déjà. De quoi vous parliez-vous à l'instant avec l'autre mage ? Oh, des fraternités, des groupes de mages partageant des visées communes. Oh, des fraternités. À mon avis, nous devrions tous nous rallier aux isolationnistes, demeurer dans une ville de montagne perdue, loin des gens du commun qui nous détestent. Oui, c'est toi le demeurer dans une ville perdue. Pourquoi tu restes ici ? Je me retirerais bien dans les terres sauvages, livrées à moi-même, mais je serais taxé d'apostasie et les Templiers me pourchasseraient. Il est impossible de quitter le cercle, c'est à la vie et à la mort. Romantique, non ? Moyen. L'apostasie. Et le cercle, c'est devenir apostat. Le seul châtiment pour un tel crime. Ah, je trouve que le doublage est plutôt bon. Sinistre, n'est-ce pas ? C'est... Il y a pas mal de voix connues, et j'ai connu largement pire. Il existe sûrement des mages qui n'appartiennent pas au cercle. J'ai entendu parler de sorciers qui parviennent à survivre par eux-mêmes. Je vais faire une vidéo à la Mchèque. Mais lorsque les Templiers les débusquent, ma foi... Vous avez des idées de merde, vous êtes viré de la tour. Et puis, on rapporte l'existence de maîtres magiciens parmi les Dalassiens. Mais qui peut distinguer la vérité de la fiction quand il s'agit de... Mais oui, après souvent, les doublages français, c'est un petit peu chaud d'avoir les tons qui vont correctement avec les personnages et tout, mais... Je suis... Mais là, globalement, je trouve que ça fait quand même du beau boulot. Nous nous sommes déjà... Il y a bien pire dans certains jeux, il y a le... Il y a pire, il y a toujours le doublage de Two Worlds, qui est grandiose. Parle-moi des apostats. Le cercle, c'est devenir apostat. Le seul châtiment pour un tel crime, c'est la mort. Sinistre, n'est-ce pas ? Oui, mais moi je me casse parce que sinon on va tomber dans une boucle de dialogue. Bonne journée. Donc ouais, si jamais vous ne connaissiez pas le doublage de Two Worlds 2, il me semble, faut que vous alliez voir les vidéos sur YouTube, c'est grandiose. C'est du niveau des doublages qu'on trouve sur Nanarland... Je devais la protéger et maintenant elle est morte. Et franchement, c'est assez impressionnant. Ça me dit quelque chose. Oui, les vidéos sont connues parce que c'est vraiment doublage en roue libre. Putain, mais ils ont donc stocké des bâtons, ces gens.
L'avantage quand même de Dragon Age, c'est qu'on peut jouer avec ZQSD, ça va nous faire gagner quand même pas mal de temps au niveau des déplacements. Ça nous permettra de ne pas miser sur le pathfinding. Parlons à Cullen. Oh, bonjour. Je me réjouis que votre confrontation se soit bien passée. Bonjour, Cullen. C'est moi, le Templier qu'on avait désigné pour vous porter le coup fatal, au cas où vous seriez devenu une abomination. Rien de personnel, promis. Je devais vous tuer, mais c'est que mon job. Je suis content que vous alliez bien. Voilà. Vous m'auriez vraiment tué. Je serais terriblement... Philippe. Je sers la chanterie et le créateur, et je me dois d'obéir. Oui, c'est sûr que ça aurait été un autre niveau de doublage. Philippe, passe ta confrontation. Putain, on peut tenter de le draguer, on peut lui faire du round dedans. Je devrais pas te distraire pendant le service. Vous ne me distrayez pas. Je vais pas essayer de le draguer, c'est une saloperie de Templier. Si, mais... En fait, non. Enfin, vous pouvez venir me parler quand vous voulez, si le cœur vous en dit. Oui, bien sûr. Enfin, nous parlerons une autre fois. Ouais, écoutez, je devais vous massacrer, mais bon, je vous trouve bien sympathique. Je m'en charge. Poussière d'Olyrium, encore une fois, la cocaïne des mages qui se balade. Les règles cardinales de la magie. On va aller voir ce bon vieil Irving. Meuble de rangement. Rocher de givre. Ouais, pour monter la résistance au froid, quelques points de vie, on peut utiliser pour préparer des élixirs et des champignons. Pour de l'endurance. Ok. Mais les mages s'en foutent, ils ont besoin de lyrium pour le respirer, le humer. Ouais, de temps en temps, il y a le son qui part en couille. C'est pas grave, en même temps, il y a les sous-titres, c'est fait pour ça. Les apaisés, on s'en fout. On va gratter tout l'XP du coin. Hop. C'est gratos. L'enclin, le créateur. Ah, ceux qui veulent du lore, ils peuvent en bouffer. Hein. Les bouquins, il y en a une tonne. Parlons à Kaylee. Béni sois-tu qui existe dans le regard du créateur. Béni sois-tu silence. Qui recherche sa clémence. Béni soit la prophétesse, immolée par la sainte flamme. Puisse le cantique parvenir au créateur et lui conter notre repentir. Ainsi encore. Oh, il est bien foutu le lore secondaire, je pense, mais le problème c'est qu'il transpire pas beaucoup dans le lore principal, qui est ultra chaque basique. Chaque jour la bénédiction du créateur. Elle m'apporte la paix en ces temps troublés. Tu as un problème? Non, pas vraiment. C'est juste... On est quand même dans un univers où les races sont ultra génériques, on a viré les hobbits parce que tout le monde s'en fout. Alors on a les nains qui vivent dans les cavernes, on a les elfes qui vivent dans les bois. Bon, la petite spécialité c'est que ils sont aussi maltraités par les humains, mais ça on le retrouve aussi dans les univers comme The Witcher. Oh là là, les mages c'est puissant mais c'est dangereux. Enfin voilà, c'est ultra cliché. D'ailleurs même le nom de l'univers est tellement cliché que TEDAS, le nom de l'univers, hein, TEDAS, c'est l'acronyme de The Dragon Age Setting. C'est l'univers de Dragon Age. Ils se sont vraiment fait chier pour trouver le nom. Ne t'inquiète pas, je veux savoir. Elles me font espérer qu'un jour, le créateur nous entendra. Le créateur. Je serai alors parmi le grappin. La malédiction levée. Le grappin nous a choisi. Quelle malédiction. Bien, la magie, sinon quoi? La magie, c'est pas une la malédiction. La magie est source de malheur. C'est un art dangereux et pervers. La chanterie doit protéger le monde de notre étrangeté. Être né avec un tel fardeau... La suite était encore moins bien, j'ai pas joué du tout au 2 ni à Inquisition. J'aimerais tellement qu'on m'en délivre. Sait-on jamais, si on finit le 1, peut-être qu'on va enchaîner sur le 2 pour souffrir, et sur Inquisition qui paraît-il est vraiment bon, par contre. Tu pourrais utiliser tes pouvoirs pour le bien du peuple. Inutile d'être mage pour faire le bien. Si c'était possible, je vouerais toute mon existence à la chanterie. Mais jamais je ne serai acceptée. C'est peut-être un fardeau qu'il me faudra toujours porter. Je dois y aller.
Tout RPG, pas besoin de vouloir fumer du speed. Bon classique, ça fait du bien parfois. C'est pas faux, mais le problème c'est qu'il était pas mal présenté comme étant hyper pas révolutionnaire, mais hyper bon dans le domaine, alors que finalement il apporte pas grand chose au RPG, voire même pas du tout. Ouais, Pillar of Eternity, c'est limite le problème inverse, c'est qu'il a tendance à te balancer des murs de lore dès le début. En mode, tu es pris dans un biwake, ce vent qui est créé par les barbares Shmurdak pendant qu'ils bouffent du Sgloobi durant la cérémonie de Schlarvart. Bah laissez-moi prendre des notes. Beaucoup sont déjà partis pour Ostagar. Wynn, Uldred et la plupart des mages de rang. Nous avons bien assez contribué à l'effort de guerre. Nous ? Depuis quand liez-vous votre sort à celui des mages ? Ou serait-ce que vous craignez que je suis jamais content. Bah non, je suis jamais content. Des robes à la chanterie et fassent un libre usage. En fait, pour un jeu qui se sépare de l'univers de des royaumes oubliés de Donjons Dragons, ils n'ont pas du tout pris le... Messieurs, je vous en prie. Irvine, quelqu'un souhaite vous parler. Pour finir, ce régime, où le des cristaux mystérieux ? Bah non, même pas, parce que l'univers de Pillars of Eternity, les cristaux... Alors, on va pas spoiler, mais les cristaux de Pillars ont un rôle très important, et du coup, ça rend l'univers extrêmement étonnant, avec leur lien avec les dieux. Vous m'avez fait demander. Oh, mais c'est notre nouvelle sœur du cercle. Approche, mon enfant. Approche, mon enfant. Oui, c'est bien elle. Bien, Irvine. Vous êtes occupé à ce que je vois. Nous en reparlerons plus tard. Bien sûr, bien. Je trouve qu'en effet, le lore de Pillar est voilà Duncan. Complexe, voire garde, même un peu trop, mais que sa spécificité arrive justement dans le dernier tiers du jeu où l'origine des cristaux est expliquée et plein de choses, et donc du coup, ils vont introduire. Oui, c'est un petit peu ça. Enchanté. Une guerre se prépare dans les terres. On va essayer de faire un personnage un petit peu. N'ignore pas. Sociable. Duncan recrute des mages pour l'armée du roi à Ostagar. Contre qui nous battons-nous ? La menace de l'engeance grandit au sud. Il nous faut toute l'aide possible. L'engeance ? Des monstres corrompus. Metal Gear ? Ils infestent les entrailles de la terre à l'abri de la lumière du soleil. Ils ont formé une horde dans les terres sauvages de Korkari et menacent de porter la guerre plus au nord. Si nous ne les repoussons pas, je crains que nous n'assistions à un nouvel enclin. Duncan. Putain, petit mauvais mini. Ah, bonsoir, Capi, comment vas-tu ? Bon retour, sur ce chat. Ne t'inquiète pas, dans peu de temps, nous allons débloquer la boule de feu. Il faut savoir profiter des instants de joie, surtout en des temps aussi troublés. Tu as surmonté la confrontation. Satisfaire tes options pyromanes. Ton phylactère a été déplacé à Denerim. Te voilà officiellement membre du Cercle des Mages. Mon phylactère, je ne suis pas une. Tu n'en as pu garder aucun souvenir, mais on t'a prélevé une once de sang à ton arrivée ici. Ce sang est conservé dans un phylactère. C'est ainsi que les Templiers traquent les mages. Non, j'ai pas encore la boule de feu. Nous n'avons guère. Je suis sûr que tu en es très déçu. Le don de magie inspire suspicion et crainte. Nous devons prouver que nous avons la force. Il est temps de remédier à ce problème. Pour en faire un usage responsable. Oui, la magie, on va l'utiliser responsablement. Voilà donc ta robe, ton bâton et un anneau frappé de l'insigne du cercle. Porte-les avec fierté. Est-ce qu'il a croisé des ours ? Pas encore, j'avais pas voir croiser l'ennemi numéro 1 du jeu, le loup. C'est un honneur de faire partie du cercle. Il va sans dire que tu ne dois rien révéler de la confrontation à celles et ceux qui n'ont pas encore été soumis au rite. Et maintenant, prends le temps de te reposer. Des grouilles malades, des gobelins boiteux. C'est ton grand jour. Entendu. Je retourne à mes quartiers. Aurais-tu la bonté d'escorter Duncan jusqu'à ses appartements, mon enfant ? Duncan, c'est pas où ils sont, ces quartiers ? Non, avec grand plaisir. Les invités sont à l'est de cet étage, non loin de la bibliothèque. À présent, veuillez m'excuser. Grégor et moi... J'aurais dû couper tous les dialogues pour pouvoir faire tous les doublages. Vous auriez profité, encore une fois, de qualité.
Excuse-moi, Larbin, est-ce que tu peux aller, est-ce que tu peux aller escorter Duncan? Laisse-moi te montrer ta chambre en courant. Ouais, c'est bon, t'habites là, casse-le. Merci de m'avoir escorté. Sacré quête. Il y a Joanne qui veut nous parler. Par contre, on va rester là pour cette intro. On a une heure dix d'épisode. Du coup, YouTube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Des bisous.